a lancé pour malade dans la capitale suisse. Certaines rumeurs faisaient état d'un homme mourant sur son lit d'hôpital. La première apparition du dictateur Denis Sassou Nguesso peut être interprétée de plusieurs façons. Nous retiendrons trois éléments. Le premier élément, la volonté manifeste et assumée d'un dictateur de dissimuler sa vieillesse en noircissant ses cheveux blancs. Le deuxième élément, son visage. Nous pouvons remarquer que sur son visage, il y a de la fatigue et une prise de poids anormale, ce qui peut être symbolisé par les maladies suivantes. Le cancer du côlon ou du foie. Un début de diabète. Les troubles de la thyroïde. Le stress et la dépression. Nous savons tous que le dictateur Sassou Nguesso est un consommateur de drogue dure et tout le monde le sait. Le troisième élément, un effacement de la personnalité et une absence d'intérêt avérée à la réunion, en vidéoconférence. Nous vous invitons à bien regarder sur son visage, notamment ses sourcils et la position de sa main droite. Un regard effacé. Tous ces faisceaux d'éléments nous amènent à la conclusion suivante. L'empereur de Moshi est souffrant et tente tant bien que mal à donner une autre image de lui, de sa personne en public. L'assassinat du président Guy Brice Parfait Kolela a été le crime de trop. Denis Sassou Nguesso sait qu'il touche à sa fin et rien ne peut l'arrêter. Le sang a trop coulé et la souffrance du peuple congolais a trop duré. Les fourches sont en train d'être aiguisées dans le plus grand silence. Le règne de l'empereur Denis Sassou Nguesso touche à sa fin. Juste un peu de patience. Le Congo risque de connaître un coup d'état chirurgical avant sa mort. Vous savez très bien que la mort d'Antoinette et de Sassou sera une fête nationale au Congo. Vous le savez très bien. Vous n'avez même pas besoin de tester la réaction des Congolais. Vous savez que les Congolais n'attendent que ça. Votre mort. Parce que vous n'êtes pas éternel et ça finira par arriver.